Florence Bassard, qui est candidate au doctorat en littérature de langue française à l'UDM. Ses recherches actuelles portent sur la représentation de l'ambition dans les nouvelles historiques et galantes au XVIIe siècle. Sa mémoire de maîtrise, complétée en 2022 au département d'études littéraires de l'UQAM, s'intitulait « Sociocritique d'un maudit contrat », entre guillemets, le mariage dans les lettres d'Adelaide et d'Amertin et Marie-Jeanne Riccoboni. Et depuis 2018, elle contribue au projet « Un livre à la fois et galant ». Et puis, on a à toute votre droite, à toute ma gauche, donc Amandine Alessandra, qui est professeure à l'école de design de l'UQAM et membre du CELAD. Ses recherches portent sur les formes graphiques de l'expérience évanescente, de sa représentation et de sa médiation d'une part, et sur les pratiques graphiques collectives entre performance et co-création d'autre part. Intéressée par l'impermanence du cadre de diffusion et de réception du message, et par son influence sur la création de sens, elle organise des performances participatives dans lesquelles elle teste la faculté des formes typographiques qu'elle conçoit à s'inscrire dans des contextes en changement perpétuel, la phrase continue, en partenariat avec des institutions culturelles internationales ainsi qu'avec des organismes communautaires locaux. Voilà, donc bienvenue à toutes les quatre. Et puis, je ne sais pas qui commence à parler, mais je vais déplacer le micro vers le bas. Merci, merci Katharina. Merci au CELAD de nous accueillir aujourd'hui. Vous aurez compris que le projet dont on souhaite vous parler s'intitule « Un livre à la fois ». C'est un collectif de lecture et de création qui est né en 2017 et dont l'objectif premier est de permettre à des étudiantes, des étudiants du département d'études littéraires de l'UQAM de s'engager dans leur communauté, de donner une portée sociale à leurs études en partageant leur intérêt pour la lecture avec des enfants. Alors, le projet a été mis sur pied en collaboration avec l'école primaire Champlain dans le centre-sud de Montréal, qui est une école à indice de défavorisation maximale, pour employer le jargon du ministère de l'Éducation. Chaque étudiant impliqué est jumelé à un petit groupe de 3 ou 4 enfants à qui cette personne va faire la lecture toutes les semaines, du début octobre à la mi-avril. Il y a 6 classes, qui participent au projet chaque année, c'est-à-dire toutes les classes de l'école, de la maternelle, de la première et de la deuxième année. Les séances de lecture hebdomadaires sont des séances d'une demi-heure qui doivent favoriser l'interaction. C'est-à-dire que c'est l'adulte qui lit à voix haute, mais l'enfant doit également prendre une part active à la lecture en interprétant les textes et en interprétant les illustrations. À la fin de la toute première année de fonctionnement de ce projet, il y a un élève de première année qui nous a donné une idée. Il nous a demandé, et nous, est-ce qu'on va en écrire des livres? C'était en effet la suite logique à donner à ce projet, qui dès lors s'est enrichi d'un nouveau volet, celui de la création collective d'albums jeunesse. Donc depuis, chaque classe, chaque année, crée un livre. Les textes sont écrits par les étudiantes et les étudiants en littérature à l'issue d'ateliers où les enfants sont amenés à trouver des idées pour nourrir l'histoire. Donc, chaque histoire naît d'une rencontre entre l'imaginaire des adultes et l'imaginaire des enfants. Alors, une fois les textes rédigés, des étudiantes de l'École des arts visuels et médiatiques aide chaque élève à illustrer une page du livre que sa classe a créé. L'édition graphique des livres est réalisée par des étudiantes de l'école de design. Et il y a une version audio de chaque livre qui est produite grâce à la participation d'étudiantes et d'étudiants de l'école supérieure de théâtre. Une fois les livres publiés, donc 6 livres par année, on a quelques exemplaires là à l'avant, on remet 2 exemplaires à chaque enfant. Donc, un exemplaire pour conserver et un autre pour donner, afin que les histoires circulent et pour que le partage se poursuive. Il y a un peu plus de 150 étudiants et étudiantes de la Faculté des arts qui ont participé au projet depuis sa fondation et un nombre à peu près équivalent d'enfants de l'école Champlain. Ensemble, ils ont publié à ce jour 18 livres, bientôt 24, puisqu'il y a 6 nouveaux livres qui sont actuellement en cours de création.
Après nous être prêtés au rôle de lectrice pendant quelques années, nous avons pris le temps de réfléchir sur les questions que soulève une expérience d'engagement littéraire auprès des jeunes enfants. Il nous fait plaisir aujourd'hui de vous faire part de nos réflexions. Mon nom est Azucena. Je participe au projet Un livre à la fois depuis l'automne 2021 en tant que lectrice. Et je suis également inscrite à la maîtrise en études littéraires au profil création, ce qui influence grandement mon regard sur ce projet. En tant que lectrice, c'est moi qui suis paradoxalement à l'écoute dans un cadre où l'apprentissage se fait sur le mode du partage. Être lectrice dans ce projet, c'est tendre l'oreille vers un imaginaire, une manière de concevoir le monde qui ne m'est pas si complètement étrangère puisque j'ai déjà été une enfant. Après tout, raconter des histoires, c'est un jeu d'enfant. Je leur présente l'objet concret et matériel des livres que j'ai choisis. Mais eux, ils savent déjà raconter des histoires. Ils et elles sont déjà fabulateurs, fabulatrices. Le regard que l'enfant porte sur la littérature est différent du regard universitaire. Le regard de l'enfant a une manière de ramener la réussite et ou l'échec d'un livre à l'essentiel, qui serait sa capacité à faire ressentir quelque chose au lecteur et à représenter adéquatement ou non l'expérience du monde de l'enfant. Les jeunes enfants que j'ai rencontrés à travers Un livre à la fois sont les meilleurs juges pour critiquer une littérature censée s'adresser à eux, puisqu'il n'est pas seulement question de l'enfance, mais également des enfances au pluriel. Pour que notre temps ensemble soit un espace de rencontre, il est primordial d'accorder de l'importance à ce qu'ils ont aimé ou pas aimé d'un livre, afin de valider leur point de vue, leur humour et leur sensibilité. Ce que je leur apporte est peut-être moins la littérature comme une forme de savoir que la littérature comme un espace où nos savoirs respectifs se rencontrent et peuvent dialoguer, créer. Ensemble, nous faisons littérature. Au-delà d'un objectif pédagogique de développement de compétences de lecture, c'est le développement d'une relation à la lecture comme point de rassemblement, tisseuse de liens entre nous. Je m'appelle Florence et je suis bénévole pour Un livre à la fois depuis janvier 2018. C'est bien sûr parce que je crois à l'importance du projet que je choisis de m'y engager année après année, mais aussi parce que j'en retire beaucoup sur les plans humains et littéraires. Et je suis certaine que mes collègues qui y ont contribué au fil des années pourraient en dire autant. Le regard que je pose sur cette expérience est influencé par mon champ de spécialisation au sein des études littéraires, qui est la littérature d'Ancien Régime. Ça peut paraître étonnant à plusieurs égards, d'une part parce que l'album jeunesse n'existait pas encore à cette époque, et d'autre part parce que c'est seulement dans la seconde moitié du 18e siècle qu'on a commencé à considérer l'enfant dans sa singularité. Le projet permet cependant aux universitaires de mieux comprendre et de renouer avec certaines pratiques littéraires qui étaient plus répandues sous l'Ancien Régime qu'aujourd'hui. Je pense à la lecture à haute voix et à la création littéraire à plusieurs mains. Ces deux pratiques avaient cours dans les salons, un espace de sociabilité qui a vu le jour en France dans la première moitié du 17e siècle. En réfléchissant aux conditions qui permettent de forger une collaboration bénéfique tant aux universitaires qu'aux enfants qui participent au projet, j'ai d'ailleurs constaté que certaines d'entre elles se retrouvaient également dans les salons. Pour être honnête, j'ai été surprise d'en trouver autant, même si évidemment je suis consciente des limites de cette analogie. La première de ces conditions est le caractère hebdomadaire des rencontres. Cette fréquence nous permet de tisser des liens avec les enfants, de connaître leurs goûts et de cerner la dynamique des groupes. La deuxième condition, est le mélange de préparation et de spontanéité que nécessite l'animation des séances, comme les salonnières qui prévoyaient leurs extraits pour guider et animer les conversations de leurs invités tout en conservant une apparence de naturel. Les lectrices d'Un livre à la fois préparent soigneusement chaque séance. Elles sélectionnent les albums et identifient les questions à poser aux enfants pour les amener à prendre une part active à la lecture, comme l'évoquait Geneviève. Il faut aussi arriver à établir un bon équilibre entre ces moments d'arrêt que constituent les questions et le déroulement de l'histoire. Sinon, on risque d'ennuyer, ce qui est la pire faute dans un salon autant que dans une séance de lecture. La troisième condition est le type de rapport que nous instaurons avec les enfants. Ce rapport se veut fondé sur l'écoute mutuelle et le plaisir, comme le mentionnait Azucena.
et non sur une autorité que nous exercerions sur les enfants ou sur les histoires qu'on lit ou qu'on imagine ensemble. L'enfance se situe beaucoup dans la spontanéité. Il ne suffit que d'une image pour raconter une histoire, surtout lorsque lire une seule phrase peut prendre assez de temps et d'énergie. Ces lectures m'ont rappelé un rapport à l'image que j'ai délaissé, l'importance de celle-ci, puisqu'une bonne image peut donner l'envie d'accéder aux mots qui l'accompagnent. Ce que je leur apporte également est peut-être une relation à la lecture qui perdure dans le temps, une expérience qui laisse sa trace, comment celle-ci forme notre imaginaire et nourrit, contamine nécessairement la création. Dans la création de leur histoire, mon rôle est d'être à l'écoute de leurs désirs et de leur poser les bonnes questions. Cet accompagnement est une présence un peu spectrale, c'est-à-dire où je suis à la fois investie et légèrement en retrait, afin de tisser les liens entre les divers éléments que chaque enfant me propose, tout en préservant un équilibre entre faire rayonner leur individualité et à la fois souligner leur collectivité. Il y a également le souci de bien traduire les idées et les histoires qu'ils me racontent, que mon intervention de traduction par l'écriture reste fidèle à l'enfance. Pendant les activités de création littéraire, les enfants nous font cadeau de leur rapport particulier au monde et à la langue. Tendre l'oreille à l'enfance nous amène à nous ouvrir au savoir d'un groupe qui est minorisé par définition. Je vous rappelle que le mot « enfant » vient du latin « infans », qui ne parle pas. À mesure que les enfants perdent leur timidité initiale, ils ont tendance à placoter entre eux pendant les séances de lecture ou à communiquer au groupe des anecdotes plus ou moins liées à l'activité. Et donc, on constate un peu ce que l'étymologie peut avoir de trompeur. Mais, blague à part, il est vrai que dans l'espace public, les discours sur les enfants sont beaucoup plus présents que les discours des enfants. C'est pourquoi il incombe à chacune d'entre nous, lorsqu'on écrit les textes des albums, de mettre notre maîtrise de la langue et de la construction narrative au service des idées des enfants afin d'en transmettre l'esprit, voire la lettre. D'une part, ça permet aux enfants de se retrouver dans les œuvres qu'ils et elles créent. D'autre part, ça amène les adultes qui lisent les histoires à voir le monde à hauteur d'enfant et à développer leur empathie envers eux. J'aimerais en donner un exemple. Dans Le Grimoire enchanté, qui est un album créé lors de l'édition 2019 du projet, les personnages principaux sont faits prisonniers par des trolls lourdement armés qui les forcent à faire des devoirs de mathématiques compliqués sans jamais avoir de récréation. En tant que littéraire, c'est un cauchemar pour moi aussi. Donc, c'est des mathématiques compliquées comme 20 fois 20, avait précisé un petit garçon de mon groupe. Donc, c'est ça. Je trouvais ça important d'inclure l'exemple dans le texte parce que s'il prête à sourire, c'est pas aux dépens de l'enfant qui l'a proposé. C'est parce qu'il nous rappelle l'écart qui nous sépare du temps où une telle multiplication n'allait pas de soi pour nous non plus. En plus d'illustrer la perspective sur le monde que nous offre cette collaboration avec des enfants, cet exemple montre comment on fait entendre les idées singulières au sein d'une œuvre que l'on construit en commun. Ce contact avec l'enfance a mis en évidence le constat qu'il y a plusieurs personnes et plusieurs disciplines derrière la création d'un livre. Comme quelque chose que j'aurais oublié lors de mon parcours en études littéraires. La création littéraire est bien plus souvent associée à l'image d'un geste créateur qui se fait dans une forme de solitude, et il en va de même pour la rédaction d'un mémoire de maîtrise ou d'une thèse. Ce qui est tout le contraire de ce projet de création, où toutes les étapes sont réalisées de manière collective, dès les premiers éléments bruts de réflexion à la rédaction et à la révision du texte. Pour ma part, le fait de prêter ma plume aux enfants me donne la chance de renouer avec la création littéraire, une pratique que j'ai délaissée depuis plusieurs années au profit de mes travaux de recherche et d'analyse. C'est assurément le caractère collectif et ludique de l'écriture qu'on pratique dans le cadre du projet, de même que les contraintes qui la balisent, qui me permettent d'écrire. Toutes ces caractéristiques que cette écriture partage avec celles qui étaient pratiquées dans les salons de l'Ancien Régime, font de la personne qui s'y adonne une autrice sans autorité, une expression qui remonte à 1664 et que j'emprunte à l'auteur galant René Lepeyllier. La conception de la création littéraire qui sous-tend le projet et la notion d'auteur au pluriel qui en est le corollaire ont formé un contexte qui m'a autorisée à me remettre à écrire. Quoi qu'elle ne soit pas nouvelle, ces conceptions de la création et de l'autorialité collective s'inscrivent à contre-courant de celles qui prévalent aujourd'hui.
C'est ce qu'on a pu constater au moment de faire le dépôt légal des livres. Dans la case « auteur » du formulaire d'indexation de BAMQ, il est impossible d'entrer plus d'un nom, même lorsqu'il y a seulement deux auteurs-autrices, comme on peut le voir. Seul un nom figure sous l'étiquette « auteur ». Et lorsque des œuvres sont publiées par un collectif, elles sont toujours présentées sous le nom de la personne qui les dirige. Même s'il a été impossible d'indiquer le nom des enfants dans la catégorie « auteur », nous les avons ajoutés après le titre des albums, comme vous pouvez le voir ici. Par ailleurs, au-delà des classements institutionnels, nous avons à cœur de faire en sorte que les enfants s'approprient les albums qu'ils ont créés, en les faisant vivre au-delà du moment de leur publication et même hors des pages. Nous avons donc organisé une discussion dans une librairie entre les jeunes auteurs illustrateurs et l'artiste et écrivain Roger, de même qu'un atelier de typographie corporelle. Je m'appelle Amandine Alessandra, je suis professeure à l'école de design. Donc les enjeux de création collective en design... Oh, ça ne marche pas. Je vais peut-être revenir là, finalement. Merci. Merci. Ça veut dire qu'on est sorti de la présentation? Je vais commencer par là. Donc, dans le cadre du projet porté par ma collègue Geneviève Lafrance, la lecture en partage, celle-ci m'a invitée à repenser un atelier de pratiques typographiques performatives que j'avais offert dans des contextes artistiques, muséaux, scolaires ou activistes en Angleterre et en Allemagne, pour l'adapter au contexte spécifique de l'école primaire Centre-Sud dans Ville-Marie. Et l'atelier faisait suite à la création de la série de livres par les enfants dont Azucena et Florence viennent de nous parler, avec la collaboration d'étudiantes de la faculté des arts de l'UQAM et des professeurs Laurent Sylvestre et Maryse Gagné, faisant ainsi se croiser le design graphique, les arts visuels et la littérature. Je vérifie maintenant. Donc, à l'aide de manches fluorescentes qui servaient à souligner graphiquement certaines parties du corps, les enfants ont été invités à former des lettres seuls ou à plusieurs, mais en misant toujours sur l'entraide, la collaboration et la solidarité. Et il n'est pas aisé de former des lettres ainsi avec son corps, parce qu'on a tendance instinctivement à les former en miroir, parce que d'habitude on se voit dans un miroir, évidemment. Et l'aide du groupe est nécessaire et bienvenue. Et les enfants interprétaient une lettre qui était bonifiée dans sa lisibilité par le reste de la classe, qui recommandait de davantage lever un bras, qui servait de barre d'une lettre B ou à la diagonale d'une lettre Z. Donc l'écriture physique et collective devient un tissage d'expériences, hautes en son et en couleur, bien différente de l'expérience de l'écriture, vécue comme une expérience solitaire, délimitée par le rectangle blanc de la page et le rectangle du pupitre et de la chaise. Donc après un moment d'hésitation, même les enfants les plus réservés se sont finalement jetés à corps perdu, avec un immense enthousiasme dans l'expérience participative. Et les lettres servaient à réécrire les titres de leurs livres et les noms des personnages principaux auxquels ils avaient donné naissance. Et les lettres servaient à réécrire les titres de leurs livres et les noms des personnages principaux auxquels les personnages et les histoires que les enfants y avaient entrés. Donc ici on a le personnage. Je vous lis parce que c'est pas forcément la police des caractères la plus lisible de la Terre. On a le personnage Croc-Croc et Mémé. Zouzou. Et Myriam, Henri et Mariano. Ah, excusez-moi, merci. Et puis ici, le titre d'un de leurs livres, La boutique des laissés pour compte, que je trouve particulièrement touchant comme titre, déjà partant. Le grand sceau. Et puis, nous avions aussi prévu une activité parallèle avec de la pâte à modeler afin d'avoir une activité plus calme et concentrée après la performance, parce que c'est vraiment beaucoup d'énergie. Et l'idée était ici aussi d'appréhender l'écriture par le toucher comme quelque chose de concret et de malléable dans tous les sens du terme. Donc un « e » peut avoir une variété de formes et toujours être parfaitement lisible, ce qui permettait de prendre une certaine distance de la rigueur exigée dans l'apprentissage classique de l'écriture avec un stylo ou un « e », ça se fait comme ça. En partant de là et en finissant là. Et là, tout d'un coup, ça permettait de prendre certaines libertés, de se rendre compte que ça fonctionnait toujours. Quelques semaines plus tard, comme Azucena et Florence nous le rappelaient, les images ont été exposées à la librairie
pendant le Salon du Livre de Montréal, dans le cadre d'un événement littéraire dont tous les jeunes auteurs et autrices étaient les fiers invités d'honneur, heureux de se voir en photo, mais aussi de reconnaître dans le détail des mots formés, des lettres qu'ils et elles avaient interprétées pour réécrire le titre des livres qu'ils ont coécrits et co-illustrés. Et au milieu de leurs images textes, les enfants ont pu présenter leur livre à l'auteur illustrateur Roger et échanger avec lui d'auteur illustrateur Is à auteur illustrateur sur leurs démarches respectives de création littéraire et artistique. Donc, dans la première étape du projet décrite par Azucena Pellan et Florence Brassard, les enfants ont fait l'expérience de la lecture par le biais d'expériences physiques hors du livre, comme l'oralité et la réalisation de dessins. Dans un second temps, cette expérience est ensuite transformée pour prendre la forme de pages de livres imprimés et d'enregistrements sonores avec des acteurs, actrices, étudiants et étudiantes de l'école de théâtre de l'UQAM. Et dans un troisième temps, la performance, et plus précisément la typographie comme performance, a permis d'extraire à nouveau des éléments physiques de la page et de faire exister les idées et les mots des enfants sous une forme tangible et ludique. Enfin, la présentation des livres et des images de l'atelier en librairie pendant le Salon du Livre a permis aux enfants de se positionner différemment dans leur rapport à la lecture et à l'écriture. Ils ne venaient pas comme apprenants dans la position d'écoute habituellement attendue d'elles et eux, mais comme auteurices, créatrices avec beaucoup à partager. Donc la lecture en partage, c'est un projet rencontré pour penser avec elle le partage de la lecture comme expérience diversifiée et collective. Et Geneviève Lafrance, qui est la chercheuse principale de ce projet, va maintenant nous parler de la manière dont elle a adapté ce questionnement sur les façons de partager la lecture au contexte d'une communauté inuite, et plus précisément avec les enfants de l'école Nuviti à Evuivik. Donc pour la première fois cette année, le projet a été réalisé à l'extérieur de Montréal, à Evuivik au Nunavik, qui est le village le plus septentrional du Québec. C'est un village de 420 habitants. Ont participé au projet 7 élèves de l'école Nuviti, de 9 à 12 ans, 2 étudiantes en études littéraires et moi-même. Le livre que nous avons co-créé, le livre que nous avons co-créé est un livre bilingue. L'histoire a été écrite en français lors d'un atelier en novembre dernier, puis traduite en Inuktitut par les élèves eux-mêmes. Le lancement du livre a eu lieu le mois dernier à Evuivik. Nous avons aussi réalisé la version audio du livre qui a été enregistrée par les élèves en Inuktitut et en français. L'adaptation du projet à une communauté inuite nous a amené à réfléchir à des stratégies qui allaient permettre de développer une expérience de co-création ancrée dans l'univers narratif et visuel des enfants. Et à cet égard, la participation d'aînés du village s'est avérée essentielle. Cette participation s'est faite en trois temps. D'abord, il y a deux aînés qui sont aussi des artistes visuels, Passam Amyuk et Ekruma Kiyaituk, qui sont allés rencontrer les élèves et leur raconter des histoires orales de la région, dont l'une a servi de base à la rédaction du livre. D'ailleurs, la transmission orale de ce récit aux enfants a été intégrée à la trame narrative et visuelle du livre, là, comme en témoigne l'une des illustrations à l'écran. Ensuite, l'une des aînées, Kruma Kiyaituk, est revenue à l'école lors de l'atelier d'illustration pour aider les élèves à réaliser leur linogravure d'après une technique traditionnelle. La linogravure étant l'une des techniques qui a été employée pour réaliser les illustrations du livre. Les aînées étaient de nouveau présentes le soir du lancement, où elles se sont fait offrir par les élèves des exemplaires du livre. Elles n'étaient pas seules, évidemment. Presque tous les aînés du village étaient présents au lancement. Lancement qui a donné lieu à une exposition des œuvres réalisées par les enfants pour les illustrations, à une lecture publique du livre et à un grand banquet
ce qui a permis de valoriser le travail des enfants auprès de la communauté, ce qui est d'autant plus important dans un contexte où les contre-coups du colonialisme continuent de fragiliser le lien de confiance de la communauté à l'égard de l'institution scolaire. Bref, le rôle confié au lien intergénérationnel a été capital dans le projet, dans l'adaptation du projet à une communauté inuite pour permettre la revalorisation du patrimoine, tout en montrant aux enfants qu'elles peuvent à leur tour être des passeurs de culture en créant, en co-créant des liens. Alors, je vais conclure très rapidement par une proposition toute simple qui consiste en fait à ouvrir la recherche-création au savoir de l'enfance et plus précisément à sortir la littérature d'enfance du cadre didactique à l'intérieur duquel l'institution scolaire la maintient le plus souvent, avec pour effet d'instrumentaliser la lecture. De l'instrumentaliser aux fins d'un apprentissage qui, d'emblée, situe l'enfance aux marges du savoir. Alors, dire que les enfants forment un groupe minorisé relève du pléonasme, comme le relevait Florence. Et dans le mouvement de décloisonnement de la recherche universitaire qui est en cours, il nous semble qu'on a tout avantage à tendre l'oreille aux enfants, à travailler, à créer, à réfléchir avec eux, avec elles, non pas seulement parce que ce sont les adultes de demain, mais surtout en posant l'hypothèse d'une contribution possible et valable de l'enfance ou des enfances, comme le disait Azucena, à l'exploration de nouvelles formes de collectifs littéraires et artistiques. Merci. Moi, j'avais une question pour le quatuor. En fait, je trouvais qu'il y avait un lien qui était tout à fait intéressant avec les deux communications précédentes sur le fait de désapprendre pour réapprendre. Parce que vous l'avez dit, je pense que c'est Florence qui l'a dit, sur le fait qu'en tant que littéraire, il fallait vraiment désapprendre la façon d'écrire pour se mettre à la place des enfants et traduire justement les propos des enfants. Puis j'aurais voulu savoir, en fait, comment est-ce que les enfants, par l'expérience de l'écriture, puis par l'expérience de la typographie, Amandine, que tu as faite, comment ils avaient perçu ça, puis comment par rapport à l'enseignante, Madame Karine, je crois que j'ai lu, l'enseignante du groupe scolaire avec qui vous avez fait les lectures, comment est-ce qu'elle aussi, ça lui a peut-être fait repenser sa manière d'écrire sur le fait que le E, c'est comme ça qu'il faut l'écrire, mais peut-être que si on l'écrit comme ça, ça marche quand même. En tout cas, voilà, je voulais vous entendre par rapport à ça, merci. Je n'ai pas eu de rétroaction avec la professeure, donc je serais curieuse de savoir si toi tu en as eu une, Geneviève. Très bien. comment dire, l'activité fonctionne à l'école Champlain parce que c'est une activité clé en main et qu'on demande très très peu de choses aux enseignants et aux enseignantes qui travaillent en milieu défavorisé, dont les conditions sont pas toujours faciles. Ils ont extrêmement peu de temps à leur disposition. Donc la rétroaction est pas facile à obtenir. Cela dit, au fil des ans, moi j'ai pu observer un changement d'attitude très clair. La première année, le projet a pu être mis en place grâce à une directrice. Enfin, j'ai vu passer 5 directrices d'école là, en 6 ans. Le personnel enseignant est très stable, mais la direction d'école, c'est moins facile. La directrice était très, très enthousiaste et puis on s'est dit, ben voilà, on fait. Sans demander quoi que ce soit à quiconque, si ce n'est aux enseignants, acceptez-vous d'accueillir des étudiants une demi-heure par semaine dans vos classes. Les enseignants étaient un peu méfiants, certaines du moins, au début.
me demandant si ça faisait partie d'un cours, d'un projet de recherche. Et je pense que la méfiance venait en partie du fait que nous ne sommes pas issus d'une faculté d'éducation. Ils ont très, très peu l'habitude de travailler avec des universitaires qui ne sont pas issus d'une faculté d'éducation. Et ce que je constate maintenant, donc au bout de 6 ans, c'est un très grand enthousiasme à l'égard de ce projet et des attentes claires qui sont ben, on vous revoit l'année prochaine et merci beaucoup. La rétroaction elle se limite malheureusement un peu à ça, là, faute de temps du côté des enseignants. On n'a pas encore eu la possibilité de faire un retour plus qualitatif. Ça va peut-être venir. On vient de mettre en place un groupe de recherche interdisciplinaire sur la création collective en littérature d'enfance qui va venir un peu en soutien au projet Un livre à la fois, donc soutien logistique et soutien réflexif aussi pour explorer de nouvelles avenues. C'est peut-être une des choses qu'on pourra faire dans le cadre de ce groupe de recherche. On a en quelque sorte créé l'objet d'abord, puis là, maintenant on crée le groupe de recherche. Mais il n'y a pas beaucoup de retours de la part des enseignants. Pour le reste des questions, de la parole. Si je peux ajouter quelque chose spécifiquement sur le point de vue typographique, c'est que, je sais pas si vous m'entendez, c'est que les enfants, en fait, se sont appropriés, entre guillemets, les règles du jeu. On leur a pas dit « fais un B comme ça, mets ton bras comme ça ». Ils ont vraiment interprété ces lettres selon leur perception intérieure de ce qu'est une lettre. C'est ce que j'expliquais avec l'effet miroir, qui fait qu'on a besoin de l'autre, en fait, pour s'y retrouver. Mais ce qui était intéressant, c'était que ça passait par leur interprétation, parce que c'est un atelier que j'ai donné dans d'autres contextes, et les gens interprètent les lettres vraiment différemment selon les contextes, selon la taille de leurs membres aussi, de leurs bras, de leurs jambes. Mais voilà, il y avait cette idée d'interpréter et de ne pas être... Il y avait vraiment une attention, je pense que tu l'as dit, Geneviève, on portait attention à ne pas instrumentaliser les enfants, en fait. Pas arriver avec une idée, vous allez réaliser notre idée, on aura des super photos, et merci. C'était vraiment qu'ils y prennent part, qu'ils fassent des choses qu'on n'avait pas prévues qu'ils fassent, qu'ils peut-être détournent un peu ce qui était prévu. Je pense qu'à ce niveau-là, ça fonctionnait bien. Je ne sais pas si Florence, tu voulais ajouter une... Oui, peut-être un petit quelque chose par rapport à l'écriture des textes. C'est nous qui les écrivons, les textes, mais c'est vraiment à partir des idées des enfants. C'est sûr qu'on arrive avec un canevas, quelque chose, quelques pistes de départ pour les aider à se mettre en route, parce que si on arrive, on dit « on fait un livre », je pense que ça ne donne pas assez d'emprise aux enfants pour démarrer leur imaginaire. Mais en ce qui concerne l'écriture, à proprement parler, moi, j'essaie d'être le plus possible à l'écoute des formules, des perles un peu que les enfants peuvent dire, qui ont un rapport au langage que moi, j'ai peut-être pas en tant que personne qui est habituée d'écrire des textes plus analytiques. J'avais un exemple, c'est ça, on avait une histoire de genre de clinique vétérinaire, si on veut, là, puis je demandais aux enfants, mais qu'est-ce que les maîtres font pendant que les animaux sont à la clinique ou quelque chose? Puis, il y en a un qui m'a dit, leur maître, ils parcourent des maîtres, ils sont dehors, ils marchent, tu sais. Puis, c'est plus de jeu avec le mot maître, là. Puis, en plus, c'est un personnage qui invente un peu un mensonge dans l'histoire. Donc, c'est vraiment un rapport comme, au langage qui est là aussi dans le mensonge. En tout cas, je ne sais pas, de partir de la réflexion sur la matière sonore des mots, de l'inclure dans le texte. Je pense que ça donne vraiment un regard particulier, comme je le mentionnais dans mon intervention. Puis, c'est important de préserver ça lorsqu'on les traduit, si on veut. Il y a une dernière question, c'est Jennifer, et je vois Jean-Paul qui me regarde. Ah non, mais je vais en parler. Bah, ça veut aussi des questions courtes dans ce cas. Ok, c'est okay, parfait. Bon, merci d'abord aux intervenantes de ce deuxième panel, vraiment des projets très très intéressants. J'aurais une question pour Geneviève et lecture en partage. J'apprécie beaucoup la portée sociale de ce projet, c'est vraiment formidable. Tu as dit que cette année, c'était la première année à Nunavik. Et donc, il y a une dimension qui est très intéressante et je me demande, étant donné la portée multidisciplinaire de ce projet, cet éventail des approches artistiques, la question de la traduction. Tu as dit que l'histoire est d'abord rédigée en français puis traduite en dialecte, en Inuktitut. Je me demande s'il y a quelque chose à réfléchir à cet égard. Par rapport à l'écart qui s'ouvre dans la traduction, c'est toujours un travail
très intéressant parce qu'on revient sur la parole du départ pour revoir un peu les choses. Donc, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience et est-ce que cela prendrait peut-être plus d'espace sur la lente d'avant? La rafale. Écoute, Célia. Bah, c'est un peu dans l'idée de l'extension du potentiel de votre projet là, que je trouve incroyable. C'est parce que tout à l'heure, vous avez dit, ils ont lu aussi leur livre au moment du lancement du livre. Et donc, du coup, je me disais, et puis vous venez de dire tout le travail sonore par rapport à un mot. Et est-ce qu'il y a eu l'idée d'enregistrer des lectures pour en faire une sorte de balado, en tous les cas de documents qui sortiraient du livre et puis qui pourraient être une autre forme de diffusion de votre recherche? Traduction et balado. Et balado. Alors, balado, l'idée a été lancée par une étudiante il y a plusieurs années déjà pendant la pandémie. On était allé faire des entretiens avec les enfants, elle avait fait des entretiens avec les participantes aussi, des enseignants. L'exécution de l'idée est un peu complexe. Apparemment, elle est en train de le faire, mais il y a eu beaucoup de complications dans, ce, voilà, dans la vie. De cette étudiante, donc c'est en cours, mais il devrait y avoir un balado qui s'ajoute là, au livre audio bientôt. Les livres audio sont tous disponibles sur le site web du projet, donc on peut entendre la version Inuktitut français de l'Inuktitut, ce qui est, on n'a pas souvent l'occasion d'entendre Inuktitut. Pour venir à la traduction, ça a été en effet une dimension importante du projet et qui a pris des avenues un peu imprévues. D'abord, comme vous l'avez compris, quand on travaille à l'École Champlain, on travaille avec des tout jeunes enfants. C'était le choix de la directrice d'école en 2017, on va cibler les plus jeunes. Étant donné que c'est un projet de co-création et que la littérature est considérée comme un espace pour créer des liens, et dans le cas de l'adaptation du projet à Iwinivik, de créer des liens valorisants entre allochtones et autochtones, c'est important qu'il y ait une étudiante et moi. On aurait aimé une plus grande équipe, là, mais les coûts d'un tel projet sont énormes. Enfin, énormes, on s'entend. Les billets sont 4 000 $, c'est un peu ça qui coûte cher. Donc, il y a une étudiante et moi qui sommes venus. Il fallait qu'on puisse communiquer avec les enfants. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles on a ciblé plutôt les classes de 5e, 6e, 7e année. Les enfants sont scolarisés en Inuktitut exclusivement jusqu'à la 3e année. L'immersion partielle commence en 3e année, puis l'immersion complète en français ou en anglais en 4e année. Voilà, donc 5e, 6e année, ils nous comprenaient, ils ne parlaient pas beaucoup, ils nous comprenaient. Il y a eu une élève qui faisait l'interprète à certaines occasions. Donc, on a créé en français, en fait, au départ, ça je ne l'ai pas mentionné, mais la première étape du projet, avant notre arrivée à Alexandrine Huguenier et moi, ça a été pour les enseignants, les deux enseignants qui participaient, de faire lire des livres qui avaient été créés à l'École Champlain, de manière à ce que les enfants s'approprient un peu l'expérience derrière ce projet. Donc, ils ont lu les livres créés à l'École Champlain, ensuite les aînés sont venus, donc cette partie-là elle s'est faite en Inuktitut. On a écrit les textes, le texte Alexandrine et moi en français, à partir d'une discussion qu'on avait eue avec les enfants. On a fait valider auprès d'eux. Les enfants ont voulu, c'est leur choix en fait, ont voulu traduire l'histoire en Inuktitut. Et là, l'enseignante qui participait, Nelly Duvic, a d'abord adapté le texte. Elle a dû le traduire en anglais parce que les enfants étaient aidés de leurs professeurs d'Inuktitut qui ne maîtrisent pas le français. Donc, il y a eu une traduction vers l'anglais qui tenait compte de la langue Inuktitut parce que Nelly Duvic parle Inuktitut. Elle vit au Nunavik depuis plus de 10 ans. Voilà, elle a adapté le texte en tenant compte de la langue dans laquelle ça allait être traduit, puisqu'elle savait très bien que certaines expressions, par exemple, à un certain moment de l'histoire, le personnage principal est hanté par le souvenir du petit être qu'il a rencontré.
Nelly sait très bien que être hantée, ça n'a pas fonctionné en Inuit. Donc il y a eu un travail préalable. Et au moment, après, elle m'a rapporté que le temps venu de traduire l'histoire, au bout d'un certain temps, l'enseignante d'une institut a dit « Ah non, c'est trop difficile ». Et les enfants ont insisté. Et ça, c'est un des plus beaux aspects là, de ce projet. Ils ont insisté, ils ont dit « Non, non, on est capable, on va le faire », et ils l'ont fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir l'ensemble des personnes de la première session de ce matin.